Salut mes petits crumbles, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un jeu vidéo qui vient de sortir, un jeu vidéo dont on parle depuis quelques années en France, c'est une exclusivité française, c'est un studio français qui l'a créé, non c'est pas un studio français, c'est Rockstar, Rockstar Gaming, ceux qui ont fait GTA. Voilà, je vous présente, très très heureux de, voilà j'ai bugué, très heureux de le recevoir, c'est FIFA 49.3. Comme on peut voir avec Macron sur la jaquette, c'est produit par EA Sports en association avec Rockstar Studios. La jaquette s'est faite par, c'est une édition collector, hein, GOTWK, c'est-à-dire c'est moi, hein, voilà, on fait un petit pub. Voilà, tout simplement, un jeu très très attendu hein, par la population française, qui a quand même mis en colère un certain nombre de personnes. On attend de voir ce que ça va donner, hein. Mais en tout cas, je suis très heureux de recevoir ce type de jeu. Hein. C'est hyper inspirant. Au niveau du gameplay, on pourra incarner du coup le gouvernement français en ayant un certain nombre d'approches dictatoriales, équatoriales, éditoriales. L'objectif sera d'imposer un certain nombre de choses à la fois dans le football, mais à la fois dans le pays pour faire évoluer la population française. L'objectif n'est pas de mettre en colère, bien évidemment, la population, mais ça y ressemble. Hein. Pour l'avoir testé, je lui donne une note de 49.3. C'est pas drôle. Non, je lui donne une note de 5, voilà. 5, parce que la jaquette, elle est bien, vu que c'est moi qui l'ai faite. Voilà, je vous la mets à l'endroit, hein, on va la remettre. Ensuite, voilà, on incarne quand même quelque chose de très très intéressant. On peut aussi, ça rappelle un peu les jeux Civilization, je sais pas si vous vous souvenez. Sauf que là, c'est mixé avec un même, il y a quand même pas mal d'humour. Donc voilà, non, 5, 5, parce que c'est divertissant. Après, voilà, ça peut casser les couilles, il y a pas mal de monde, donc c'est pour ça que je ne mets pas 10.